Il était 11h20 quand le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, est arrivé ici au siège de l'arrondissement 5 Wenze, où il est inscrit comme électeur parmi les 500 électeurs de ce bureau 2 de vote du siège de l'arrondissement 5 Wenze, où il est inscrit. Reçu par le président du bureau de vote, le président Denis Sassou Nguesso s'est plié aux usages, c'est-à-dire aux règles de la loi pour voter, avant de déposer son bulletin dans l'urne, acclamé par l'assistance sur place, avant de s'entretenir avec le président de la Commission nationale électorale indépendante, certainement pour s'enquérir du déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national. En effet, des élections législatives et locales qui ont lieu partout dans les 12 départements du pays, dans une ambiance démocratique empreinte de sérénité. D'autant plus que partout, les citoyens ont gagné tôt les bureaux de vote afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Ici, comme partout ailleurs, on a noté la présence de la presse internationale et de nombreux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, venus veiller au bon déroulement des opérations électorales. Mais moi, je souhaite que ça se passe dans la paix, comme on a vu là. Qu'ils viennent s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Et puis voilà quoi. Qu'ils choisissent leurs députés, qu'ils choisissent leur maire, pour mettre en place leur conseil municipal. C'est ce qu'on demande et que ça se passe dans la paix. Le président Denis Sassou Nguesso a quitté les lieux sous les ovations nourries des populations de l'arrondissement 5 de Brazzaville, venues elles aussi accomplir leurs devoirs de citoyens.